Bonjour, bienvenue chez nous. Et chez nous, c'est Notre-Dame de Carbertran. Notre-Dame de Carbertran, c'est une école qui a déjà une longue histoire. Imaginez un peu, elle a été fondée sous le règne de Louis XIV par des religieuses ursulines, alors missionnées pour l'éducation des jeunes filles. Elles s'installèrent d'abord au Gorécaire, puis sur la rue Brémondas, pour enfin rejoindre la Haute-Ville avec le Bel Air et enfin Carbertran, ici où nous sommes aujourd'hui. L'école primaire de Carbertran, c'est aujourd'hui un ensemble de 11 classes, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, avec environ 300 élèves. C'est une école catholique avec un projet éducatif fort et ambitieux, visant à développer le meilleur de chaque enfant et selon les talents de chacun. Tous ces projets et cet esprit que nous tentons de développer, nous le vivons grâce à une équipe d'appel dynamique, mais grâce aussi à des parents partenaires que nous essayons de rencontrer le plus possible en réunion tripartite tout au long de l'année. C'est une école qui essaye de développer une culture artistique par le biais des arts plastiques, d'une classe orchestre, d'une chorale, du théâtre, etc. J'en passe les meilleurs. L'appel de Carbertran, c'est une coprésidence avec Justine, Sandrine, car à plusieurs, on va toujours plus loin. L'appel, c'est aussi une bienveillance, une écoute positive et des valeurs humaines. C'est aussi une équipe de parents dynamique qui se réunit pour partager, échanger et mettre en commun ses idées. Notre association met en place tout au long de l'année différentes animations. Des ventes de gâteaux, des conférences, des cafés des parents et aussi une kermesse avec un repas de fin d'année. L'association Parents d'élèves de Carbertran met également en place des aides financières pour financer des projets comme voyages, sorties pédagogiques, spectacles et aussi matériel pour les classes. Il y a 2 ans, l'appel a financé des structures pour les différentes cours de récréation des primaires et des maternelles. Nous sommes également présents lors des portes ouvertes et lors des réunions de l'OGEC. N'hésitez pas, rejoignez-nous.
Voilà, c'est la petite carte postale de notre école. Elle est limitée, mais vous avez vu des images, vous avez entendu des mots. Parlez-en avec celles et ceux qui y sont passés déjà, avec ceux qui vivent peut-être aujourd'hui. Et puis venez et voyez, le meilleur moyen de sentir que c'est une école où il fait bon vivre.